Je vais vivre la vie de Spider-Man de sa naissance jusqu'à sa mort. Je vais naître tout bébé dans une chambre d'hôpital avec mes deux parents, Miles Morales et Gwen. Puis je vais grandir, devenir adulte, puis enfin un vieillard, juste avant de mourir. Allez, c'est parti, commençons cette vie de Spider-Man. Je viens de naître à l'instant. Je suis bébé Spider-Man. Je commence ma vie et ça semble être mes parents. Y'a Gwen et Miles Morales. Apparemment, ce sont mes parents et moi, je suis bébé Spider-Man. Ma première mission pour grandir, c'est de sortir de cet hôpital. Mais cet hôpital, il doit être rempli d'infirmiers. Ils vont sûrement pas laisser s'échapper un nourrisson. Donc là, il faut que j'explore un petit peu l'hôpital. Déjà, j'ai pas de toile. Je suis trop petit. Dans la suite de ma vie, évidemment, je pourrais tirer des toiles, faire des grosses dingueries en tant que Spider-Man, marcher le long des murs. Mais pour l'instant, je suis simplement un bébé et je peux pas faire grand-chose. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, une salle d'opération. Bonjour. Vous faites quoi ici? Une opération là. Une opération, ok, je me casse, ok, je vous laisse tranquille. Allez, je vous laisse tranquille. Ok, bon, ici il y avait une opération en bas, qu'est-ce qui se passe? Eh, Edouard, ça va? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, ça va. Il y a deux personnes à l'accueil. Ah ouais, d'accord. Personne m'a repéré. C'est quoi cet hôpital de fou furieux? Ah, moi, oh là, je retourne ici. Bon, ils sont tous. Ah, bonjour, bonjour messieurs. Qu'est-ce que t'as? Vous êtes docteur dans cet hôpital? Monsieur, arrêtez. Stop, je viens de naître. Je suis un nourrisson, vous me frappez. Non, mais ça a pas la tête. Mais monsieur, comment ça vous parlez alors que vous venez de naître? Je sais pas trop, mais en tout cas, je sais déjà parler. Bon, vous pouvez me laisser tranquille avec mes parents, je viens de naître. Non, mais sérieusement. Oui, mais t'as pas de parents. Allez, sortez s'il vous plaît d'ici. Pour grandir, il faut que j'arrive à m'échapper de l'hôpital. Le problème, c'est que. Non, mais what? Bon, écoutez, je pense que je peux pas m'enfuir de l'hôpital par en bas ni par ici parce que. Non, mais. Hey, j'arrête d'ouvrir cette porte. On va s'enfuir par là. Il y a un trou dans le plafond comme par hasard. Je vais prendre le fauteuil, je vais prendre les petits meubles qui sont ici. Oh, ça va être compliqué par contre de prendre ici. Attends, je peux prendre ça. Ok, je peux prendre les lits. On va cumuler les lits. Regardez, hop. On devait pas faire un truc à la base. Allez, j'essaie de sauter. Comment est-ce que je pose ça? Je vais casser le fauteuil. Bonjour. Oula, excusez-moi. Monsieur, mais vous êtes en train de dégrader dégrader la pièce. Excusez-moi, je suis désolé. Ah, je m'enfuis par là. Je m'enfuis par là. Attendez, je prends le fauteuil. Ok, je reviens. Allez, attendez, je prends les canapés, j'en ai besoin. Je suis un nourrisson, vous devez tout me laisser faire. Ah, il m'empêche de sortir par là. C'est un griffeur, on convoit de l'entrée. Il a cassé le matériel. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais ok, attendez. Je crois que j'ai trouvé une solution pour monter. Alors, non. Oh, c'est bon, je suis sur le toit. Je me suis enfui. C'est bon, je suis un bébé Spider-Man et j'ai réussi à m'enfuir. C'est bon, je me suis enfui. On a appelé la police, il y a un môme qui s'est enfui. Non, ils vont appeler la police. Oh, attendez, je vais me transformer. Wow, ok, j'ai grandi. Bon, je suis pas encore la version la plus stylée de Spider-Man, je pense qu'on va voir. Là, ça reste moi ou un petit peu plus grand. Bon, écoutez, ça va, c'est quand même stylé. Mais je suis pas encore Miles Morales. Non, pour l'instant, je suis juste un petit Spider-Man tranquille. Par contre, je crois que je peux commencer à utiliser mes toiles. Attendez. Oh, let's go, ok, stylé. Bon bah c'est plutôt stylé. Je galère un petit peu à utiliser mes toiles, mais c'est très stylé. Oh, ok, d'accord. Bon, plutôt sympa. Ouais, et comment je me détache? C'est assez compliqué. L'inspecteur? Hein? What the fuck, bro? C'est pas le petit qui est rechargé? Oula, bonjour! Monsieur, venez là! Monsieur, bonjour! Mais pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Non, mais attendez, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? On a eu un appel de l'hôpital qui nous a dit que c'est une personne qui dégradait le bâtiment public. Non, mais non, je fais rien du tout! Non, je vous jure, je dégrade rien du tout! Les abonnés, c'est quoi cette course poursuite? Venez, je vous donne des bonbons! C'est quoi cette course poursuite? Je suis en train de m'enfuir! V-Bucks, free V-Bucks. Au secours. Regardez, y'a tout le monde qui est en train de me poursuivre. Oh, allez, c'est bon. Non, ok, c'est bon. Comment je coupe? Ils sont tous en bas. Les abonnés, il faut que j'arrive à m'enfuir. Ils me font mal, hein. J'ai 3 millions de policiers, mais pourquoi les policiers sont des millions dans cette ville? Attendez, je vais essayer de les brain dans une maison. Ok, les abonnés, si je réussis la mission de fuir les policiers, alors je vais grandir. Mais là, il faut que j'arrive à tout simplement fuir. Je vais entrer dans le château de Peach. Oh, je vais entrer dans le château de Peach. Ok, let's go. Arrêtez-vous. Le château de Peach, il est juste ici. Allez, let's go. Quoi, Coubert? Ok, c'est bon. Le château de Peach, je suis à l'intérieur. Hop.
on les... Ah bah non. Ah bah, bah cul-de-sac. Ah non. Je ferme, oh, je ferme. Non, 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 non. J'ai tiré ma toile. Les abonnés, comment est-ce que je fais? Il faut que je coupe cette toile. Il faut que je coupe cette toile. Mais j'en peux mais plus. Je suis coincé. T'as ma toile. Laissez-moi, laissez-moi. Allez, maintenant, maintenant, monsieur, regardez-moi, on s'arrête, on s'arrête. Je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. Ok. Allez, monsieur, on s'arrête. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Autorité dans les mains. On s'arrête. Ok. Bon, les abonnés, je crois que je me suis fait capturer. Bon, vous allez m'emmener du coup au commissariat. Ouais, allez, Roger, mets-lui les menottes. Là, mets-lui les menottes. Bon, ok, c'est bon. Hop, hop. Ok, c'est bon, j'ai les menottes. Bon, il est où le commissariat? Allez, on remonte. On remonte par où? Ah, par là. Ok, on doit remonter par là. On remonte, on remonte. Mais on remonte jusqu'à où là? On remonte jusqu'à où? Mais wesh, on est où là? Bah c'est pas grave, on va casser les murs. Vas-y, casser les murs. Casser les murs. Allez, venez là. Ok, et là c'est le toit, on va sortir par le toit. Les abonnés, je crois que je me suis fait capturer. Bon, c'est pas de suite que je vais grandir. Mais vous inquiétez pas, je vais m'échapper de la prison. Ok. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Non, rien, rien, rien. Ok, quoi, couper? Arrêtez, arrêtez de taper, il va nous fouler. Il va nous fouler. Non, non. 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 Mais attends, ils sont en train de tout faire exploser. Ils sont en train de tout faire exploser. J'essaie de m'enfuir. J'essaie de m'enfuir. Oh, let's go. Oh, let's go, let's go, let's go. Oh, mais il faut tout exploser. Et moi, j'arrive pas à couper mes petites mes toiles d'araignée. Ok, ok, c'est bon. Je suis sur le toit. Je les sens. Non, non, je suis tombé là. Attendez, est-ce qu'ils sont encore derrière moi? Mais c'est pas possible. Il faut... Oh, j'ai aidé les abonnés. Il faut que je monte vraiment très très haut. Ok, c'est bon. Et là, je vais monter en haut de la tour de la Pat Patrouille. Non, mais ils sont en train de casser tout le village. On s'arrête, ils sont en train de casser tout le village. On s'arrête, on s'arrête. Non, je vais monter en haut de la tour de la Pat Patrouille. Alhamdulillah, on est bien. Allez, s'il vous plaît, il faut que j'arrive. Ils vont jamais me lâcher. Allez, là, allez. Mais ouais, j'ai le temps, j'ai l'étoile. Oh, let's go. Alors, vous allez faire quoi? Je suis tout en haut de la tour de la Pat Patrouille. Voilà, j'ai échappé à la police. Je sens que je vais me transformer, les abonnés. Oh, wow. Ok, je viens d'évoluer, je viens de grandir, je suis un Spider-Man noir. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Je suis le Black Spider-Man, mais je ne suis pas encore Miles Morales. Enfin, Miles Morales, je sais que ça se dit comme ça. Ok, je suis vraiment stylé, j'ai l'impression que je suis devenu invincible. Wow, c'est une dinguerie. Regardez, je peux sauter de n'importe où et je prends aucun dégât. Ah ouais, je suis surpuissant. Et j'ai... Quoi? J'ai des nouveaux pouvoirs? Incroyable! C'est quoi ça? Wouah, c'est des grenades de toile d'araignée! Wouah! Ok, je me sens surpuissant! Et c'est qui ces deux mecs là au centre? Ok, ma mission, c'est de trouver un mec qui m'aide à grandir! Ok, on va aller les voir! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous faites quoi? Pourquoi il y a le père de la famille Adams et Skibidi Bop? Dis-moi, yes, c'est qui? Bonjour! Est-ce que c'est le carnaval aujourd'hui pour te déguiser comme ça? Bah, non, mais je suis vraiment Spider-Man! C'est moi, vraiment, je suis Spider-Man! C'est moi, vraiment, je suis Spider-Man! Je crois qu'il a trop mangé. Non, vraiment! Eh, hey, non, mais. Eh, hey, Skibidi Bob, ça va pas ou quoi? Eh, hey, mon ref, il y a des toilettes là-bas, si tu veux. Qu'est-ce que tu recherches? Bah, je recherche la façon de grandir en fait. Je veux grandir, je veux devenir adulte! Ouais, c'est ça! Ah, oh, peut-être quelque chose pour toi. Vas-y, dis-moi! Je connais! Bon, attends, 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 tais-toi, lui, je vais... Dégage de là. Eh, je vous envoie des toiles d'araignée. Je vous envoie des toiles d'araignée. Par contre, il s'agirait d'arrêter. Hein. Ok, j'arrête. Vas-y, ouais. Bon, j'ai peut-être une solution pour te faire grandir. Vas-y, dis-moi. Il y a très longtemps, avec un ami, on a créé une recette qui permettait d'avoir des facultés en plus. Et parmi ces facultés, grandir était l'une de ces facultés. Oh, let's go, s'il te plaît, apprends-moi, s'il te plaît. Non. Bah, non, je vais pas t'apprendre parce que ça coûte cher. Mais il se peut que il y a longtemps je les ai cachés quelque part. Oh, tu les as cachés dans le village? Faut que je les retrouve. Oui, oui. Et c'est quoi la recette? Et qu'est-ce que je dois trouver? Les retrouver, pourquoi pas? Et qu'est-ce que je dois trouver exactement? Ah, la recette. Attends, parce que je crois qu'il s'étouffe. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, Gomez, explique-moi, c'est quoi que je dois trouver? Parce que là, j'en ai aucune idée en fait. Déjà, comment est-ce que tu connais mon nom? Il faudrait déjà que je me pose cette question. Ah, bah, je me souviens quand même, j'ai vu ta série sur Netflix, t'es super connu. Je vais donner de laxatif parce que là, c'est trop. Ouais, vas-y, mets-lui la muselière, parce que là. Attends, je sais pas ce qu'il fait. Un peu de laxatif, mon ami, tiens. Voilà. Oui, bon, d'accord, bon. Vas-y, je dois trouver où les trucs là? Dis-moi où est-ce que je dois trouver. Tu dois trouver 5 pots de notre mixture que nous avons nommé soigneusement le pistou.
Du pistou. Ouais, ça fait depuis 1948, j'ai pas entendu ça. Bon, ok, où est-ce qu'on a du pistou? Il y en a dans ce restaurant. Ils sont cachés un peu de partout. Vas-y, si, je suis sûr qu'on a dans le restaurant de Mario Luigi. Ah, mais c'est vrai que le pistou, c'est une sorte de soupe. Mais du coup, ouais, c'est vrai que la soupe, ça fait grandir. Du coup, ouais, il doit y en avoir. Attends. Oh, j'en ai trouvé un. Attends, j'en ai déjà un. Ok, j'en ai déjà un. À l'étage. Il y a des tables. Y'a pas des pistous qui sont posés sur la table? Genre parce que le pistou c'est trop stylé, regardez. Là j'en ai mis un sur la table, bon je le récupère. Y'en a pas sur la table? Ok, il faut que j'en trouve. Du coup pour l'instant j'en ai que 1 sur 5. C'est la recette qui va me faire grandir. En même temps, si je bois 5 pistous, ça fait beaucoup de soupe. Ah t'en as caché un deuxième ici? Ok. Je me souviens d'en avoir caché un deuxième ici, mais je sais pas où. Ok. Donc quoi je peux ouvrir? Ok, le frigo, le frigo y'a rien. Pas très futé par contre. Ah ouais? Ici. Où ça ici? Mais non mais je vois que... Mais non, mais non, mais dans les placards, bon, non. Skibidi, je vais te demander de sortir par contre. Ouais, tu prends beaucoup de place, Skibidi. Ouais. Alors, là, du coup, où est-ce qu'ici il y a quelque chose? Attends, de l'autre côté. Bah, je te conseille d'ouvrir les yeux parce que ça fait 5 fois que tu passes devant. Donc... Ah, vraiment? Il est exposé devant moi? Bah, il est exposé, ouais. Ah, il est vraiment. Attends, mais what? Ah non, il est pas exposé à l'extérieur. Le récipient, l'endroit où les contenus. Non, mais là, je l'ai déjà trouvé, hein. Celui qui était à l'intérieur, je l'ai déjà trouvé. Ah, oh, peut-être un autre. Attends, du coup, il y en a un autre. Oui, il y a un élément dans cet endroit qui n'est pas... Le four? Pas le normal. Four? Non? Non, peut-être quelque chose au toit, je sais pas. Au toit? Attends, dans le toit? Sur le toit, sur le toit, là. Attends, là, il y a une trappe, attends. Oh! Oh, let's go! Ok, merci, tu m'as aidé. Et j'ai vu de la toile partout dans le restaurant. Bon, du coup, ici, il n'y en a plus. Plus dans ce restaurant. Là dans... Attends, ici il y a une épicerie. Oh, c'est sûr qu'on peut acheter du pistou dans une épicerie. Oh. Attends. Ah bon? Wow, mais attends, mais mec, tous les tonneaux on peut les ouvrir. Oh, ouais, mais attends, mais ça fait tellement de trucs qu'on peut ouvrir. Attends. Ah, je me souviens pas avoir caché du pistou dans des tonneaux. Ah, c'est vrai que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Les tonneaux, ça risque de déborder, ça pue le fruit. Je vais monter à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'étage? On a quoi à l'étage? On a des PC. Des habits, quoi, c'est tout sauf du pistou. Ah, c'est vrai qu'il y aura pas de pistou ici. Alors, il y a peut-être ici? Attends, peut-être ici là? C'est les glaces? Non? C'est moi le pistou. Pas ici. Bon, du coup, on va descendre. Ok, j'examine tout. Attends. Examine. Ok, attends. Regarde bien autour de toi. Le toit. Regarde bien autour de toi. Là, tu me dis chaud ou froid? Vas-y, on fait un jeu, tu me dis chaud ou froid? Attends, je vais te montrer mes mains. Tu vas me dire combien de doigts est-ce que tu vois? Parce que j'ai l'impression que la cagoule, elle te gâche un peu la vue. Bah attends, mais je vois 5 doigts. Et attends, mais... Ah bah j'en ai 6. Mais les abonnés, c'est sûr qu'ils voient le pistou. Et moi, je le vois même pas. Bon, les abonnés, aidez-moi. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voyez du pistou. Je sais pas ce qu'il fait, ce qu'il dit. Je peux peut-être t'aider dans le sens où... Vas-y, peut-être dis-moi que juste, pratiquement 4 sur 5 pistous sont cachés dans le même conteneur. Ah, attends. Mais il y a un conteneur ici. Même type de conteneur. Oh, ah, c'est bon, je l'ai vu. Ok, 3. Mais ils sont bien cachés, hein. Il faut des loupes, hein. Il faut carrément des loupes, là. Non, mais ils sont bien cachés, hein. Je te jure qu'ils sont bien cachés, hein. Ah, effectivement, il faut garder la recette secrète. Et alors là, du coup, là c'est bon, j'ai trouvé celui qui avait les deux qui est dans le. Enfin, j'en ai trouvé un dans le magasin. Il y en a un deuxième? Oui, exactement. Non, je pense pas. Ok, donc là, maintenant, ils sont où les autres? Non, mais ah, bah, je vais pas dire, ce serait trop. Ouais, j'ai serré net. Mais attends, mais c'est quoi cette ville de fou furieux là? Attends, non, mais du coup, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment que des personnes qui sont très grandes. Du coup, moi, franchement, je valide. Bon, où est-ce qu'il y a un autre pistou là? Alors, attends. Ils sont tous dans ces mêmes réceptacles? Ah, dans je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer aux jeux vidéo. Oh, mais oui, c'est sûr. Bon, peut-être à l'étage. Du coup, là, on est dans un truc de borne d'arcade. Il faut que je trouve quelque chose, un récipient qui soit comme ça. Ouais. En bas ou en haut, Monsieur Gomez? Ah, je sais plus, après, la pièce est assez petite, donc ça devrait être... Ah, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, il y a Skibidi Pop qui me passe toutes les 2 minutes devant. Je vois plus rien, là. Attends. Alors, attends, deux secondes, je vais m'occuper de Skibidi Pop parce qu'il commence à me casser les pieds. Vas-y, occupe-toi de lui, ouais, occupe-toi de lui. Bon, du coup, bouge ici, on n'a pas grand-chose. Oh. Il vient de buter. Oh, non, mais ça, c'est pas très cool, Monsieur Gomez. Bon. Non, vous inquiétez pas, il y en a plein en ville. Alors, où est-ce qu'il y a... Alors, c'est en haut ou en bas? Dis-moi, s'il te plaît. Peut-être en bas, hein. Moi, je suis trop gros pour monter les marches. ça me demande trop d'efforts. Oh, ok, c'est bon, j'ai trouvé sur la bande arcade. Oh, ok, j'en ai 4 sur 5. Oh, let's go, 4 sur 5. Et du coup, le cinquième, il est où? Il est là-dedans? J'aimais bien aller voir les stands il y a longtemps. Oh, je l'ai trouvé. J'ai les 5 pistous. Voilà. Donc là, je peux tous les boire. Voilà. Et là, du coup, si je les bois tous, je vais forcément grandir. Ok, attends, c'est bon. J'en bois 1, 2, 3, 4, 5. Et je grandis pas. Ce que tu as fait n'a servi à rien du tout. Quoi?
Mais mec c'est... Mais du coup, attends, mais je dois boire quoi? Ah bah tu dois juste boire du lait, quoi. Quoi? Wow, Skibidi Bob, file-moi une brique de lait, s'il te plaît. Eh, je vais boire ça, je vais régler cette mission-là qui est beaucoup trop longue. Donne-moi une brique de lait et je vais grandir. Oh, let's go. Ok, je bois le lait. C'est bon. Wow. Les abonnés, je suis Miles Morales. Regardez à quel point je suis stylé. Non, c'est trop une dinguerie. Je suis tellement stylé, je suis Miles Morales. Let's go. Ok, bon, je dois encore grandir. Et comment est-ce que je dois grandir? Gomez et Skibidi Bob là. Oh non, mal au ventre. Non, Skibidi Bob. Par contre, je commence à avoir refilé. Ouais, très mal au ventre. La bouteille qui date de 1908. Attends, ouais, c'est normal, j'ai chié dedans. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non mais c'est pas possible. Le lait était périmé ou quoi? J'ai super mal au ventre. Oui, en gros, attends, je viens là, je vais t'expliquer. Oh, ouais, Gomez, explique-moi parce que là j'ai tellement mal au ventre. Il t'a donné la bouteille de collection de 1903. Elle est périmée depuis au moins 150 ans. C'est la bouteille d'urine. What? Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Et je crois que vu qu'il est ouais. Malade, il a dû faire ses besoins dedans. Bon après ça je sais pas. C'est quoi ce délire? Bon expliquez-moi comment est-ce que je dois grandir là. J'ai hâte de plus avoir mal au ventre, j'ai trop mal au ventre. Moi j'ai. Maintenant que je t'ai expliqué comment grandir. Ouais. Je vais te donner une tâche, puis peut-être que ça va te faire progresser. Ok, vas-y dis-moi. Parce que y a un nuisible qui nous cache les pieds avec ses sirènes tous les matins. C'est Sirenhead? Exactement, ça y est. Ok, par contre là, j'ai tellement mal au ventre. Pas de grâce mat, il nous réveille à 5h du matin. Ok, et donc j'ai compris, j'ai compris ma mission. Mais le truc c'est que vraiment par contre, oh il m'attaque. En fait, j'ai tellement mal au ventre que je pourrais pas utiliser mes pouvoirs. Du coup, je vais devoir me faire une petite épée en pierre pour vaincre tout simplement Sirenhead. Ok, c'est parti. Je peux pas utiliser mes pouvoirs, les abonnés, j'ai beaucoup trop mal au ventre. Donc je dois me faire vraiment une épée en pierre, quoi. Vraiment, c'est un comble pour Miles Morales, qui est juste normalement le boss. Je vais devoir me faire une épée en pierre. Ah, ça n'a aucun sens. Il t'a refilé la gastro-entérite. Ah, vraiment, pour le coup, là, il m'a mis pas bien du tout. Hein. Eh, vous pouvez me filer deux stones aussi, enfin, deux cobblestone. Est-ce que vous pouvez me filer deux cobblestone? Oh, du diamant. Ok, ouais, tu gères, Gomez. Je savais que t'étais riche, de toute façon. Hop. C'est bon, j'ai mon épée en diamant et je vais pouvoir aller vaincre Sirenhead. Let's go. Ok, ouais, comment je peux le frapper? Je dois vaincre Sirenhead. Mais comment? Ok, c'est bon, il faut le frapper à ses pieds. C'est sa faiblesse, c'est ses pieds. Sauf que c'est super dur de voir les pieds. Attends, mais wesh, il me fait mal en plus. Ok, bon, heureusement qu'il est du jour parce qu'il me fait pas si mal que ça. En plus, je suis super résistant quand même, je suis Spider-Man. Oh, let's go. J'ai buté Sirenhead. Gomez, j'ai buté Sirenhead. C'est bon, je vais grandir. Je vais grandir, c'est bon, let's go. Oh, wow, j'ai enfin grandi. Je suis la version ultime de Spider-Man. Je suis le Spider-Man ultime et je vais pouvoir sortir de cette ville. Regardez, je fais l'étoile et je vais sur les toits. Let's go, voilà, c'est moi le boss. Je suis tellement puissant, c'est dinguerie. Oh là là, je maîtrise parfaitement mes toiles d'araignée. Je suis la version finale de Spider-Man. Je suis le Spider-Man Miles Morales. Et là, je vais devoir me choisir une petite maison pour finir ma vie tranquillement. Voilà, je fais un cycle de vie, c'est incroyable. Regardez, hop, petite toile d'araignée sur le toit. Et hop, allez, c'est bon. Oh là, attention, ok. Bon, il n'y a pas encore une maîtrise parfaite. Bon, en vrai, si, hein, en vrai, franchement, hop, allez. C'est bon, c'est parfait. Allez, hop, allez, hop là. Bon, il faut encore que j'ai un petit peu d'entraînement, mais franchement, voilà. Vous avez vu, je commence à maîtriser parfaitement. Hop, le toit, c'est bon, c'est parti. Je suis vraiment le boss. Donc là, je pense que je vais choisir cette petite maison. Franchement, elle m'a l'air pas mal. Ouais, elle m'a l'air vraiment pas mal. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur? Ah non, je suis trop grand. Bon, on va pas choisir celle-ci, du coup. On va choisir quelque chose d'un peu plus stylé. What? Là-bas, il y a une giga villa. Oh, ça pourrait être ma villa en mode Tony Stark. Mais non, je préfère les choses simples. Je reste Spider-Man. Donc voilà, hop, c'est parti. Hop, voilà. Tac, on va choisir. Oh, le petit immeuble là-bas. C'est parfait, je vais y aller en faisant des toiles. Voilà, c'est bon. On va monter sur ce petit immeuble, voilà, en faisant des toiles. Et hop, allez, voilà, je suis sur l'immeuble. C'est parfait. Là, les abonnés, je suis vraiment surpuissant. Oh là là, je kiffe trop comment est-ce que je suis. Vraiment, je me sens invincible. Je suis vraiment le boss. Wesh, il y a Skibidi Bob qui m'a suivi jusqu'en bas. Mais what? Ok. Descends. Ouais, vas-y, je vais descendre si tu veux. Hein. Let's go, je descends. Hop, allez. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais wesh,
Mais Skibidi Bob, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Wow. Les abonnés, il y a Gomez et Skibidi Bob qui... What? Les abonnés, c'est quoi ce délire? Voilà, mon cycle de vie vient de se terminer. Je viens de mourir de la main de Gomez et Skibidi Bob. Je comprends pas trop pourquoi. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais what? Ils sont assis autour de ma tombe. Non mais vraiment, c'est quoi ce manque de respect? Bref, dis-moi en commentaire la prochaine vie que tu veux que je simule. De quel personnage? De quel monstre? Il y a deux vidéos qui s'affichent, choisis celle que tu préfères.